Garfield, attrape la souris. Tu sais, Garfield, tu es le chat. Moi, je suis ton maître. Si tu étais comme tous les autres chats, je ne me tuerais pas à la tâche en essayant d'attraper moi-même des souris. À partir de maintenant, tu vas te comporter comme tous les autres chats. Montrez-moi un bon souricier et je vous montrerai un chat avec une mauvaise haleine. Je n'attends pas la perfection, Garfield. Fais seulement ce que tous les chats sont censés faire, ok? Allez, Oddy, nous avons du travail sur la planche. Alors John ne s'attend pas à la perfection, hein? Eh bien, nous allons lui montrer de quoi nous sommes capables. Nous allons construire le chat le plus parfait du monde. Allons au labo, Oddy. Lorsque tu joues au Matoufou, tu aideras Garfield et Oddy à construire le chat le plus parfait du monde. Tu pourras aussi jouer à de nombreux jeux. Pour quitter n'importe quel jeu, clique sur la silhouette de la souris dans l'angle en bas à gauche. Si tu désires quitter Garfield et Matoufou, clique sur le cycliste dans l'angle en bas à gauche. Bonne chance! Si tu as déjà joué avant, tu peux recommencer là où tu t'es arrêté, en cliquant deux fois sur ton nom à l'écran. Si tu n'as pas encore joué avant, écris ton nom sur la boîte blanche et clique sur « Ajoute un nouveau joueur ». Voilà, et pendant temps, surtout attention sur une pépite, mais une pépite que pas entre la tête les vrais ont reconnu, mais surtout qui ont autant marqué, qui est Garfield Matoufou. C'est la Toast Secret Lego Secret, on y apparente pour un petit LP, oui, un petit LP sur Garfield Matoufou. Alors, pourquoi Garfield Matoufou? Bah, ça fait partie d'un de mes jeux PC d'enfance auquel j'avais, mais c'est que surtout, je me souviens surtout de ce jeu, surtout parce qu'il est cultissime, surtout pour sa VF. Et surtout pour la VF de Garfield, qui est vraiment assez différent que ce qu'on entend un peu dans le dessin animé. Bon, du coup, on va s'écrire un nouveau nom, du coup, on va se mettre ceci. Et du coup, on va cliquer sur « Ajouter un nouveau joueur ». S'il te plaît, choisis un niveau. Clique 1 pour « Facile », 2 pour « Moyen » et 3 pour « Difficile ». Donc t'as le 1, le moyen, qui est le facile, 2, le moyen, et 3, qui est le difficile. Alors par contre, réfléchissons, ce que j'ai prévu pour ce LP, c'est qu'en fait, on fasse un épisode à chaque niveau. Genre, le niveau facile, un épisode, le niveau 2, l'autre épisode, l'épisode 2 normalement, et le 3 qui est difficile, l'épisode 3. Du coup, on va commencer un peu par la base de la base, qui est en gros par le 1. J'essaierai de t'assister. Je regroupe une liste des éléments pour constituer le chat parfait. Recherche. Parmi plus de 200 sous-espèces de félins, la suite correspond à tes critères. S'il te plaît, choisis l'élément. Et là, on se retrouve, si vous voulez, dans la map, littéralement, la map du jeu, entre guillemets. Vous avez, par contre, tout ce qu'il y a ici entre chasseur, bande, griffe et camouflage. Par exemple, chasseur, on a ça. En gros, c'est carrément, si vous voulez, une sorte, par exemple, un peu de Wikia ou Encyclopédie, où littéralement, ça vous montre en fait les variétés de félins qu'il y a. Et bien sûr, sur chaque type. Comme par exemple, là, on a ceux des griffes, et il y a ceux du camouflage. Du coup, lequel on va le prendre? Alors, t'as chasseur, bande, griffe, camouflage. Pourquoi pas prendre celui-là? Igor. Pars pour trouver l'élément parfait du chat. Oh, et pendant que tu y es, rapporte-moi quelque chose de bon. Un chat doit manger. Des boulettes de miel du Cameroun. Je goûterai une chose de chaque. Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage. Le chat doré africain. Contrairement à leur nom, un certain nombre de chats dorés sont en fait argentés.
Le chat doré africain fait à peu près le double d'un chat domestique. Ce sont des animaux nocturnes, ce qui veut dire qu'ils aiment dormir pendant la journée et se déplacer pendant la nuit. Oh, je me sens les pieds tout guillerets. Jouons à Disco John. Et donc voilà, donc là, donc il y a eu le passage un peu, donc si vous voulez, un peu de l'explication, du truc, tout ceci. Et là, on se repart sur un mini-jeu. Et je crois bien que normalement, il y a 4 mini-jeux par 7, par jeu Garfield Matofu. Alors celui auquel j'ai, c'est Garfield Matofu 1, mais ensuite il y a tout qui est Garfield Matofu 2 et 3. Et donc du coup, là, on va jouer sur un mini-jeu qui est Disco John. Oui, dansons le boogie. Désolé, le disco est mort. Oui, dansons le boogie. Désolé, le disco est mort. Voilà pourquoi j'aime bien cette voix de Garfield, car c'est vraiment le truc du genre où c'est « Oui, dansons le boogie. Désolé, l'artiste est mort. » Oui, on va faire le mini-jeu. Oui, dansons le boogie. John voudrait se secouer. Peux-tu l'aider à se mettre en forme ce soir? Observe les 4 boutons en bas de l'écran. Si tu arrives à cliquer sur les boutons dans le même ordre que celui dans lequel je les allume, John sera aux anges. Si tu rates, il sera un canard disco. Que la fête commence. Et donc voilà, si vous voulez un peu le truc, c'est un peu, si vous voulez, le jeu du Simon, si je peux dire. Le jeu du Simon. Du coup, c'est parti. Suis le rythme. Là. Tu as attrapé la fièvre du samedi soir, monsieur Dansamax. Tac. Tu as attrapé la fièvre du samedi soir, monsieur Dansamax. 1, 2, hop. Remue ton derrière. Okay. La fièvre du samedi soir, monsieur Dansamax. Ok, donc 3 fois, par contre. Remue ton derrière. Donc là, littéralement, c'est genre 4 fois le bouton. U, 2, 3, 4, tac. Remue ton derrière. Hop, et on revient. Une, deux, trois, quatre, hop. Allez, suis le rythme. Allez, suis le rythme. Une, deux, trois, quatre. Merde, c'est le dernier. Et donc du coup, j'ai perdu une meuf. Allez, suis le rythme. Tac. U, deux, trois, quatre. Tac. Remue ton derrière. Putain, mais toujours là, ça devient encore plus chaud. Bon, après, je crois qu'on a vu pas, si vous voulez, tous les mouvements qu'il y avait dans ces 4 couleurs. Hein.
U, 2, 3, 4. Remue ton derrière. U, 2, 3, 4. Hop, 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 hop. Et qu'est-ce que je peux dire dessus encore? Bah, que, bah, au final, on a tout vu. Et bah, si vous vous dites que, par exemple, c'est infini, que vous pourrez jouer autant de fois vous voulez, tant que vous perdez pas. Ah, non. Si. Oui, c'est infini. Allez. Allez, suis le rythme. Ouais, bah, suis le rythme, là, mais j'ai déjà un peu les neurones en compote, hein. Enfin, ce qui devient des popcorn. Mais bon, en même temps, on a vu tous les mouvements qu'il y a, hein. Allez, un dernier petit violet, si je peux dire. U, 2, 3, 4. C'est... C'était pas ça. Ok. U, 2, 3, 4. Bon. Place de pied gauche. Oui, dansons le boogie. Oui, dansons le boogie. Désolé, le disco est mort. Désolé, le disco est mort. Mais bon, en tout cas, voilà si vous voulez pour le jeu, enfin, pour le mini-jeu qui est Disco John. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plaît, choisis l'élément. Et là, on revient un peu, si vous voulez, carrément au truc, hein. Donc en fait, c'est, on va choisir chaque fois un élément pour le truc du chat parfait. Et en fait, là, en fait, entre les deux, il va y avoir un mini-jeu. Allez, le lion. Igor, pars pour trouver l'élément parfait du chat. Oh, et pendant que tu y es, rapporte-moi quelque chose de bon. Un chat doit manger. Petit bois dodo. Je pensais qu'ils étaient en voie d'extinction. Canine, ramène le chat à la vie sauvage. Le lion. Les lions vivent dans des bandes qui contiennent 4 ou 5 femelles, leurs lionceaux et 2 ou 3 mâles. Les lionnes font le plus gros travail de la chasse dans la famille des lions, mais toute la bande partage la nourriture quand une lionne ramène une proie. Oh, je me sens les pieds tout guillerés. Jouons à... Désolé, le disco est... Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plaît, choisis l'élément. Bon, après, c'est parce que celui-là, on l'a déjà fait. Donc, on va y voir autre chose. Bah tiens, celui-là. Igor, pars pour trouver l'élément parfait du chat. Oh, et pendant que tu y es, rapporte-moi quelque chose de bon. Un chat doit manger. Faisons un barbecue. Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage. Le chat à tête plate. C'est sans doute le chat à l'aspect le plus inhabituel. Cet animal tient son nom de sa tête plate. Le chat à tête plate a de longues dents pointues qui pointent vers l'intérieur de la mâchoire et des griffes qui ne se rétractent pas totalement. Cela les aide à attraper des animaux glissants le long des rivières et des voies navigables. Veux-tu jouer à Écrase l'araignée en attendant Igor? Oh, celui-là, apparemment, c'est mon mini-jeu qui est préféré, hein. Surtout pour deux trucs. Ouais, appelle-moi l'écraseur d'araignée. Et le meilleur qui est mon préféré est... Non, tu l'aplatis. Moi, je la démolis. C'est ça, c'est vraiment préféré, genre... Non, tu l'aplatis. Moi, je la démolis. Bon, allez. Ouais, appelle-moi l'écraseur d'araignée. Docteur Frankenstein, votre déjeuner est servi. Ces méchantes araignées veulent manger le déjeuner de Garfield. Peux-tu protéger sa précieuse pizza?
Utilise la souris pour bouger le journal autour de l'écran et clique pour écraser ces araignées avant qu'elles n'en aient fini avec toute la pizza. Clique sur l'araignée rouge pour ralentir toutes les araignées. Fais attention aussi à ce qu'elles ne tombent pas dans le café non plus. Sinon, il t'en coûtera cher. Commence à écraser. Du coup alors, ce mini-jeu, littéralement, c'est le jeu où il faut écraser le maximum d'araignées. Et celui-là, c'est mon mini-jeu préféré. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour écraser. Allez, on y va, on écrabouille tout. Tac, 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 tac. Et par contre, ça fait une petite musique, par contre. Tu as une passion pour écraser. Allez, hop. Écrabouille. Bingo. Bon, je m'en mets en place. Et donc, du coup, on est parti pour continuer. Mes parents, ça va aller un peu plus vite. Allez, on écrabouille. On écrabouille toutes les araignées. Et voilà. C'est ça, si vous voulez, le mini-jeu. Et hop. Allez, on écrabouille bien tout. Bon voilà, on a fait la deuxième étape. Mais là on est parti pour faire la troisième. Et là ça va encore plus vite par contre. Allez hop. Tac 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 tac. Hop. Voilà. Bon, jusqu'à ce que je tiens. Mais la troisième, ça va être n'importe comment. Ça va beaucoup trop vite, là. Ça va trop vite, là. Il y a beaucoup trop d'araignées. Hop. Voilà. Je cache le tien, mais par contre là, faut la spammer. Ça va trop vite, ça va trop vite, au secours. Voilà, allez, hop. C'est pas sympa là. Touchez pas ma pizza. Et ok, une part a été mangée, mais là ça va être encore n'importe quoi. Et là ils descendent tous. Jamais allé aussi loin de ma vie. Voilà. Attention, ça allait n'importe comment là. Ça allait sur ultra vite. Oula. Allez. Hop hop. Alors moi je dis, je sais pas si c'est un speedrun du jeu, mais là faut faire 1000 là, c'est un n'importe quoi. C'est bon, je tiens. Oula, ça descend en fléchette là d'un coup. Allez hop. Écrabouille. Et perdu. Joli coup, n'est-ce pas? Ouais. Appelle-moi l'écraseur d'araignées. Non, tu l'aplatis.
Moi, je la démolis. Mais en tout cas, voilà. C'est mon mini-jeu préféré de Garfield Matoufou. Ah, j'ai mal à la main. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plaît, choisis l'élément. Allez, on est parti pour faire griffe et du coup... Allez, celui-là. Igor, cherche l'élément du chat le plus parfait. Porridge de Bornéo à la banane? Tu en manges jusqu'à vomir. Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage. Le chat de la baie de Bornéo. Aucun scientifique n'a encore vu un chat de la baie de Bornéo à l'état sauvage. Les seules choses que l'on sait sur lui proviennent de six pots et d'un spécimen empaillé datant d'un siècle. Bravo, Dr. Frankenchat. Igor a eu le symbole de toutes les parties nécessaires pour construire le chat parfait. Il va maintenant révéler ta création. Oh oh, il semblerait que nous ayons créé un Frankenstein. Et voilà, littéralement. Et bien sûr, à chaque fois, si vous voulez, comme vous avez fait entre récupérer les 4 éléments du chat parfait, dont par exemple si vous comptez 3 mini-jeux, et bien vous avez accès en fait à une sorte de mini-cinématique de fin qui est assez marrante, où pense ça peut varier entre soit John ou autre chose. Du coup, bravo, maintenant que tu as réussi à construire le chat parfait, je te propose d'en savoir plus sur les chats dans les autres niveaux, cherche des informations sur les chats et amuse-toi avec les jeux. Clique pour continuer. Voilà, et donc là, ça ramène un peu, si vous voulez, au menu. Mais normalement, ce qu'il y avait pourtant dans le jeu de base, normalement, c'est que tu pouvais beaucoup cliquer sur... cliquer pour continuer là, juste pour changer ta sauvegarde. Sauf que malheureusement, ça marche pas du tout. Je peux cliquer, ça marche pas. Bon, et là, vous êtes entre le truc des matous. Donc là, c'est un moment où vous pouvez voir un peu tout ce qui est avec les chats ici. Et là, si je clique sur quitter, ça peut revenir ici. Et là, ici, vous avez le truc des mini-jeux. Entre le jeu du roi, la machine folle, écrasure une araignée et Disco John. Et voilà. Et après, voilà si vous voulez pour le topo. Bon, alors que ce n'est que par contre, c'est la fin de ce premier épisode sur Garfield Matoufou. Like, comment, partage un peu avec la classe, Instagram, Twitter, TikTok. Et par contre, pour les prochains épisodes, du coup là, c'est. Je vais par contre me refaire une partie. Puisque là, littéralement, en fait, le truc, c'est qu'une fois que vous avez créé votre partie, normalement, vous pouvez cliquer ici en haut pour continuer. Sauf que le truc qui est chiant, c'est que j'ai pas appuyé au coup sur espace enter ou quoi que ce soit. Non, ça marche pas du tout. Du coup, le seul moment que je suis obligé de faire, c'est cliquer sur quitter, sortir du jeu, revenir dessus et me recréer un autre nom pour revenir dessus. Oh, mais non, mais vas-y Voilà un peu le côté casse-couille. Bon, allez, moi je vois les choses, c'est tchuss. Ah, bien sûr, Garfield Matoufou. Là, c'est avec Garfield Matoufou.